c'est le lancement, l'annonce de la sortie de la série 125YZ. C'est pour ça que je suis dans le panneau publicitaire, à regarder les voitures qui passent. Hein? Vous avez vu ça? Bon, alors, la série 125YZ, tant attendue, va sortir bientôt. Je vais vous expliquer un petit peu la série. Alors la série, il y a beaucoup d'épisodes. Pourquoi? Bah, tout simplement, c'est qu'à la base, c'est une série, c'est du tutoriel. Du tutoriel, c'est montrer aux gens comment faire quelque chose. Donc, je suis obligé de le faire à allure réduite. Si je vais vite, les gens ne comprendront pas et donc ne pourront pas reproduire la chose. Donc, là, je prends une machine 125YZ de 2000. Donc, au départ, ce n'en est pas une de 2000. C'est une 97. Il y a eu un changement de moto après. Mais vous ne verrez pas la différence, puisque c'est le démontage, c'est pareil. 125YZ de 2000, démonté de A à Z, remonté de A à Z devant la caméra. Il n'y a pas un écrou, il n'y a pas un boulon, il n'y a pas une rondelle qui a été démontée hors champ de caméra. Je fais tout devant la caméra. Donc là, ce n'est pas du « moi je ». Non, non, ce n'est pas du « moi je sais, moi j'ai fait, moi ». Oui, oui, on sait qu'il y en a qui ont appris à marcher à leur grand-père, on le sait. Moi, j'ai tout fait devant la caméra. C'est pas, je commence à démonter un truc et puis sur le plan d'après, on est en train de faire autre chose. Non. Tout a été filmé, voilà. À partir du moment où je touche cette machine, la caméra elle tourne déjà. Je peux pas faire mieux là. Donc, des épisodes plus ou moins longs. Logique, il y a des choses qui, voilà. Dans les débuts, la série va être peut-être un petit peu longue à vous plaire et surtout à accrocher parce que les premiers épisodes, j'ai eu un petit peu de mal. Et puis après, je me suis immergé là-dedans, un truc de fou. Donc voilà. Donc, il n'y aura qu'un épisode par semaine. Enfin, un épisode. Pas vraiment, je vous explique le truc. Chaque vendredi, 16h30, sortira un épisode de la série 125YZ. Là-dessus, il faudra liker si ça vous plaît et me mettre un commentaire, comme vous savez que j'adore les commentaires. Même un petit bonjour ou me poser des questions si vous avez des questions. Et moi, le mercredi, sortira une vidéo pour répondre à toutes les questions de la vidéo du vendredi. Et ça, ainsi de suite sur tous les épisodes. Comme ça, ça permettra de répondre aux questions au fur et à mesure. Des fois, d'entendre une question que vous n'avez pas pensé à poser et là, automatiquement, le mercredi, vous aurez la réponse à cette question. Voilà. Donc voilà. Donc c'est la troisième restauration sur ma chaîne. Donc très grosse restauration. Donc ne me posez pas la question que vous m'avez posée sur les autres restaurations, à savoir combien ça coûte une restauration pour faire ça. Cette restauration-là, il faut savoir une chose, c'était niveau budget, c'était du no limit. Voilà. No limit la restauration. Donc on va pas parler de prix parce que ça risquerait de vous effrayer. Voilà. Donc moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 16h30 sur la chaîne pour le lancement de la série 125YZ. Et j'espère honnêtement que cette série-là fera décoller ma chaîne car bon nombre d'entre vous m'ont déjà dit « Ouais, tu mériterais plus d'abonnés. » Les gars, faites un copier-coller du lien de ma chaîne et partagez sur vos réseaux sociaux. Ça ne vous coûte rien. Faites-le si vous voulez vraiment faire développer la chaîne et que je puisse vraiment vous faire des choses encore plus belles. Voilà. Donc, moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain, 16h30, sur cette chaîne, enfin, à l'endroit même. Donc, je vous fais la bibise. Et je vous dis à vendredi. Ciao, bye bye! Salut, les potos!